Salut la team, c'est Nasty, on est en route pour Lens pour le match de la 28e journée de Ligue 1. Il est 11h, le match a lieu 17h, donc normalement niveau timing on va être pépère. Donc on est parti, j'ai à peu près 2 heures de route parce que moi j'ai la chance de partir de Rouen, donc j'ai un peu moins de route que les Havrais qui partent du Havre évidemment. Et match important puisque le Havre un petit peu est dans le dur en ce moment, Lens aussi. Donc ça va être intéressant à voir, hein. Il y a sans doute une des deux équipes qui va essayer de se relancer. Évidemment, j'aimerais bien que ce soit le hack, qu'on aille prendre au moins un point, si possible trois, mais ce sera vraiment un exploit d'aller gagner à Bollaert, surtout vu nos prestations à l'extérieur cette saison. Mais voilà, moi en tout cas, je suis content. Je fais mon premier déplacement en parquage cette saison. J'avais voulu faire Nantes, j'avais voulu faire Reims, et à chaque fois, ça tombait sur des dates où j'étais malheureusement bloqué avec mes enfants. Donc là, je peux enfin y aller, je peux enfin me faire plaisir. Donc voilà, on est parti pour deux petites heures de route, et puis on se retrouve à Lens. Et me voilà donc bien arrivé au stade Bollaert de l'Hélice, l'antre du Racing Club de Lens, pour assister donc à la rencontre entre les Sang et Or et nos Ciel et Marines. Et on va donc découvrir le parquage et sa très grosse ambiance.
C'est l'heure du débrief donc de ce vlog. Vous avez dû voir hein, le vlog un peu plus court que d'habitude parce que j'ai moins filmé hein, tout simplement. L'idée c'était plus de profiter du déplacement et de kiffer à fond que d'essayer de faire un vidéo reportage, même si voilà, j'ai essayé d'avoir des moments sympas, notamment de l'animation du parkage. Donc voilà, vlog un petit peu plus court, mais moment par contre extrêmement sympa. Moi c'était mon premier parkage de la saison, c'était même mon premier vrai parkage hein, parce qu'à chaque fois que j'avais vu le hack à l'extérieur, c'était pas en parkage en ce qui me concerne. Donc c'est moi la première fois que je vais en parkage avec les super vrais. Très 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 sympa, très bonne organisation. D'ailleurs j'en profite au passage pour dire un énorme merci à la Fédération des supporters, parce que déjà d'une, c'est grâce à eux que j'ai eu la place, et puis de deux, vu que je suis un gros boulet, j'avais eu un problème avec ma contre-marque et ils m'ont aidé le jour J. Donc merci à la Fédé, en particulier à Romain, parce que vous avez fait un énorme taf. Bravo hein, à tous ceux qui ont animé, parce qu'en tribune, globalement, j'ai trouvé l'animation très 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 sympa, c'était coloré, ça chantait pendant 90 minutes, il y avait du son, enfin bref, c'était vraiment 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 cool. Pour en revenir au match, j'ai trouvé le match très plaisant, franchement. C'était voilà, parfois il y a des matchs nuls qui sont un petit peu plan-plan, on s'ennuie et ça peut arriver en particulier en fin de saison. Là, pour le coup, ça a bien joué, c'était sympa, les deux équipes ont essayé d'engager du jeu. Donc voilà, on s'est pas ennuyé, c'était un match quand même assez plaisant à suivre, je pense pour tous les spectateurs et même des deux côtés. Il y a eu pas mal d'occasions, sans doute un peu plus d'occasions quand même pour Lens que pour nous. Mais nous, on a retrouvé nos valeurs, voilà, ça fait plaisir parce que le Havre restait quand même, je l'avais dit, sur deux prestations un peu ternes. Là, on a retrouvé nos valeurs, il y a eu de la solidarité, on a défendu bec et ongle, on s'est arraché pour aller chercher ce point, et ça fait effectivement très 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 plaisir de voir nos Hackmen comme ça, parce que nous de toute façon on le sait hein, que c'est sur ces valeurs là qu'on pourra aller chercher le maintien, donc ça fait du bien de les retrouver effectivement. J'en profite pour faire un énorme coucou avec tous ceux que j'ai salués, avec qui j'ai pu discuter, c'est toujours très sympa de se croiser en vrai, parce qu'en plus moi je suis pas sur l'AV, donc j'ai pas souvent l'occasion de croiser les super vrais. Donc là c'était très sympa, hein. J'ai discuté un petit peu avec certains supporters, j'ai fait coucou à d'autres, enfin voilà, c'était hyper cool. Moi ça me fait très 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 plaisir voilà, de pouvoir mettre aussi un visage sur les noms à qui j'interagis parfois sur les réseaux. Donc voilà, très sympa de vous avoir croisé pour ceux à qui j'ai pu croiser, très sympa d'avoir discuté par ceux à qui j'ai pu discuter, c'était vraiment vraiment très très cool. Voilà les amis, j'espère que le petit vlog vous a plu. Je reviendrai avec donc le format plus classique pour les trois derniers matchs à domicile de la saison. Je rate le monstrueux Le Havre-Nantes qui se prépare ce week-end. Je serai chez moi derrière la télé avec mes enfants. Mais je serai là, par contre je serai présent pour les trois derniers matchs de la saison. Évidemment, en passant sans doute au bar de la Fédé avant. Et évidemment, pour vous faire partager ces émotions en espérant bien évidemment, à l'issue de la 34e journée, une issue heureuse pour nos Hackmen et un maintien en Ligue 1. Salut à tous, c'était Nasty. À bientôt.